Serge, j'espère que vous allez bien, ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield Hardline. Donc on est sur la carte maison hydroponique, si je dis pas de conneries. C'est de la grande conquête large, si tu peux pousser des conneries non plus. Je joue du coup avec le F2000 et ça joue vraiment comme des enculés en face. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Hein. C'est ça, putain, les mecs qui jouent les mines, enfin les mines laser, j'ai jamais vu autant de... Sur PS3 ça jouait mais pas tant que ça, tu vois. C'est par où qu'on monte, ah, c'est par là. C'est en bas que ça s'éteint. Qu'est-ce que tu voulais faire, mec? Ok, la doublette qui passait. Petite info, je suis mort une première fois juste avant la mine. Par. A cause d'un mec. Qui, bon, en gros, j'étais en train de régler mes paramètres, hein, il a fait juste spawn trap dès le début, donc c'est pour ça que du coup je me venge un peu et que j'ai décidé bah, moi-même d'aller leur faire spawn trap. Allez, ramène-toi. Mais y'a un mec là-haut, faut se faire, enfin de l'autre côté, faut se faire, il est juste là. Toi la mine. Tiens, trousse de soin. Merde, c'est ça que je voulais faire. Du F2000, je trouve ça limite impressionnant. On va essayer d'aller les chercher. Voilà, c'est impossible d'aller les chercher. Il la protège trop bien, leur weed. Ah merde, putain, il est mort notre collègue. Il m'a vu. J'ai eu celui-là. Je crois que je vais sauver les miches parce qu'il aurait dû crever. Hein. Bien joué. Ah, c'est tendu à tenir les points en vrai ici. Ils ont eu,
Putain, trois coups de couteau dans, dans les côtes là. Clac. Oh mais non mais les chutes de 3 mètres, enfin même pas de 1 mètre, le fichu va tuer pas à 2 mètres, allez grand max 2 mètres. Le mec ça le tue dans la vie, non ça marche pas comme ça, tu chutes de 2 mètres, en plus tu tombes sur le crâne, ouais. Mais là tu chutes de 2 mètres dans la vraie vie, tu te fous une cheville, tu te... Je sais pas mais c'est pas occupé, pas... qu'est-ce qu'il fait? De faire, j'ai limite de la peine pour eux. Ouais, bad timing. Encore un de moins. Pousse de soin dispo. Mais je l'ai enlevé, j'avais appuyé sur R. À la fin. Montre, du monde. Là, j'ai mis les charges. Les gars, j'ai laissé une trousse de soins. Ok. J'étais déjà middle life, et puis à ce portail, le SG553, il fait le taf. On perd le point là, c'est pas bon. Ouais. Deux dégâts de chute en très peu de temps, plus ça, c'est vrai que c'est clair. Bon, merci, une raise.
cap qui fait quand même très plaisir. Et qui, ouais, qui fait plus ou moins plaisir, parce que du coup, la game va se finir un peu plus tôt, ça fait chier ça. On va essayer d'y aller. Une trousse de secours. Ah, parce qu'ils ont des GCL, ouais, des GCL. Ils ont des SSL chez eux. Non, ils ont des échelles de leur côté, donc du coup, facilement. Je vais changer des squads, parce que du coup, ils peuvent passer dans celle-ci. Ils peuvent facilement, du coup, changer de spot. Ça, vraiment, gros truc. J'ai jamais compris pourquoi ils l'ont pas patché d'ailleurs. Mais le fait de devoir attendre de spot pour. Attendre de spot pour pouvoir changer des squads, c'est totalement débile. C'est totalement débile parce que. Ça te permet pas de faire des pushs, genre imagine le mec il est tout seul sur le point, bah non, c'est démerde-toi mon pote, démerde-toi. Hello. Okay.
Hop. Que dalle, relève-toi. Mais il s'est fait trouver. C'est que dalle, allez, relève-toi. Arrête de faire semblant, bordel. Ok. J'ai l'impression. Ouais, ok, ils ont décidé d'aller sur un. À la fin. Et laissez tous de soin. Excusez-moi. Wouah. T'es dégueulasse toi. T'es dégueulasse dis donc. On va aller les chercher. Stoppé l'autre. Les gars, laissez une trousse de soin. On va alors essayer de reprendre B histoire de ralentir un peu la fin de la game, c'est ça que là. Ça va se finir un peu trop rapidement à mon goût. Prochain point, il est juste derrière. La baie, ils vont le défendre, mais comme pas possible. Bien joué. Bizarre ça. Putain d'échange de tirs incroyable. Dispo. L'ennemi est privé de
Oh, j'arrive plus à rien, le mec il me met tout, il me tarif là. Deux fois. Commencer à mettre des accessoires, tu vois, genre un petit viseur laser, un canon lourd, on commence à mettre, voilà, avoir une arme quand même bien pétée, déjà qu'elle l'est de base. Une trousse de soins. Tue-le. Je sais pas, j'y arrive plus là. J'y arrive plus. Oh là 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 là. Moi je prends la série, mais j'ai plus. Enfin, je sais pas, j'y arrive plus du tout là. Timing. C'est
quoi, je vais virer la fumigène, je vais à la molotov, parce que du coup, ça joue enculé, je vais faire pareil. Michael, retourne en prison, bordel! Pas flic à la base! Qu'est-ce qu'il fout là, sérieux? Il est cancer un peu lui. Il est cancer. Bien joué. J'ai repéré une cible par le système de surveillance. Coco. Je sais pas si c'était campé ou si c'était le spawn, on va pas s'avancer. Je sais que les spawns sur Arlen sont quand même assez particuliers, on va dire, voire même dégueulasses en fait. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire à l'époque sur, sur leur jeu. Faut que je me bouge le cul si je veux avoir le dernier kill. Ah, je l'aurais pas, ça descend beaucoup trop vite pour jouer. Dommage. Ah, je suis deg, le premier je crois il a 90 voire 100 kills, tu sais, attends on va regarder.
Ouais, il a 92 kills, lui, c'est gavé, hein. Franchement, j'ai déjà lui. Écoutez, on va s'arrêter là, je vous invite à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde!